Bienvenue à cette émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Nous sommes en train de parler des pensées depuis le début de cette série. Amen. Et si vous avez suivi les épisodes précédents, nous vous parlons de l'importance de gérer ses pensées. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer concrètement comment, avec la parole de Dieu, vous devez contrôler vos pensées, parce que tel un homme pense, tel il est. N'est-ce pas, pasteur Isaac? Tout à fait. Merci, apôtre, encore une fois, pour l'opportunité que j'ai de participer à cette émission Pendule à l'heure. Vraiment un thème, on ne le dira jamais assez, c'est vraiment un thème extrêmement important. Les pensées vont déterminer les résultats, comment on va exprimer notre foi, les résultats qu'on va avoir dans notre vie, le bonheur, comment on va se sentir, notre feeling. Si on a des bonnes pensées, on aura un bon feeling. Si on a des mauvaises pensées, on aura un mauvais feeling. On peut également attirer par voie de conséquence des mauvaises choses autour de nous. C'est vraiment un thème extrêmement important. Amen. Au final, pasteur Darius, le bonheur, c'est un choix. C'est ça, effectivement, apôtre, merci encore pour l'opportunité. Le bonheur, c'est un choix, et ce choix-là se fait au niveau de nos pensées. C'est-à-dire le fait de choisir des bonnes pensées qui vont alimenter nos, j'ai envie de dire, nos paradigmes, pour ensuite, en fait, faire les choix liés au bonheur, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, bon, ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute, alors que la Bible va nous dire que tel un homme pense, tel il est. Donc, je pense que le bonheur, non seulement c'est un choix, mais c'est un choix qu'on peut faire même tous les jours, pour ne pas dire chaque instant, en fait. Ouais. Pasteur Gentil. Oui, merci, apôtre, effectivement, pour l'opportunité. Est-ce que tu as un autre prénom? Est-ce que les internautes vont dire, il a un autre prénom? C'est quoi déjà? Il a un autre prénom? Si. André. Non, c'est pas Antoine. Antoine. Non, c'est Elvis. On peut y passer l'émission, là. C'est Steve. Steve. Ah ouais. Tu peux faire. Ok, vous avez la parole, pasteur Steve. C'est vrai, hein, pasteur Steve. Alors, donc effectivement, le bonheur est un choix. Et si le choix est lié à la volonté, ça veut donc dire que le travail de nos pensées est également lié à la force de notre volonté. Ça veut dire que la force de nos pensées est liée à la force de notre volonté. Exactement. Et on pourra donc prendre les bonnes décisions. On se rend compte quand même que cette histoire de volonté ou de choix est très importante. Parce que lorsqu'on voit un tiers des anges qui sont partis, les anges déchus qui sont partis avec le diable, la Bible ne dit pas que le diable les a forcés à le suivre. Ça veut dire qu'ils ont choisi, en fait, cela. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir même que notre vie puisse descendre, comme on peut choisir que notre vie peut monter. Donc, c'est un thème très important. Amen. Et c'est vraiment ça. C'est lié à une certaine programmation qu'on va avoir. Programmation. Une programmation intérieure. C'est vrai. Donc, on voit que les mauvaises pensées peuvent nous faire facilement accepter d'autres mauvaises pensées. Tout comme les bonnes pensées peuvent nous attirer vers des bonnes pensées. Donc c'est vraiment, on le voit, on avait parlé peut-être de Judas, comment Judas n'était pas forcément prédestiné à trahir Jésus, mais c'est parce qu'il avait une mauvaise prédisposition intérieure que c'est par lui que le diable est passé. Donc on voit vraiment l'important des pensées qu'on a intérieures. Parce qu'en fait, quand vous étudiez un peu l'histoire des disciples, effectivement, vous voyez que tous les autres disciples, les 11 autres, c'était des Galiléens. C'était des Galiléens, et Jésus, on l'appelle l'homme de Galilée. C'était aussi un Galiléen, et Judas, c'était le seul qui venait d'une autre région. Ce n'était pas un Galiléen. Et vous savez, les Galiléens, ils avaient un fort accent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, on reconnaît Pierre, quand il parle, en fait. On dit non, lui aussi, il fait partie d'eux, en fait. C'est pas à cause du fait qu'il avait un style, la façon de parler, il parlait le même langage que Jésus, comme on l'a souvent entendu dans les prédications, même si on peut utiliser ça pour dire ça. Mais la vérité, historiquement, c'est parce qu'il avait un accent galiléen. Et Judas, peut-être qu'il a laissé des mauvaises pensées traverser son âme, s'asseoir dans son âme à cause de cette différence identitaire, en fait. Et très souvent, certaines personnes dans un groupe vont avoir du mal à intégrer le groupe et vont développer des pensées bizarres à cause de parfois la différence identitaire qu'ils vont avoir. Tu sais combien de fois c'était vraiment parfois. En fait, ce n'était pas difficile pour nous. Nous avions l'Esprit de Dieu à Vannes. Nous avions l'Esprit de Dieu à Vannes. On s'était correctement intégrés, mais on savait très bien
que nous avions une culture différente, oui. On avait même une peau différente parce qu'on était dans une église totalement blanche. Tout à fait. Mais dans nos pensées, mm-hmm. on savait qu'on était dans la maison de Dieu mm-hmm. et qu'on n'avait pas à penser que non, ces gens sont différents de nous parce que nous étions dans la maison de Dieu. Effectivement, mm. je pense qu'on avait, comme la parole de Dieu dit, on avait quand même des pensées d'humilité. Amen. On a su s'adapter, même si c'est vrai qu'on pouvait avoir une approche ministérielle mm. plus ou moins différente. Mm. On s'est dit, c'est la maison de Dieu. Mm. Et peut-être qu'on peut apporter quelque chose. On va vraiment s'adapter. On va être condescendant dans mm. le milieu. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Mm. Voilà, quoi. C'est l'intelligence, je pense, qui fait ça. C'est ça. On s'adapte. Quoi. Mais justement, par rapport à ça, je pense que tu viens de toucher un point très important. Mm. Et c'est pour ça que Paul va dire, il n'y a plus ni juif ni grec. Amen. Et que Amen. Nous sommes tous, Amen. En fait, issus en fait, mm. de Amen. La même patrie. Amen. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'impact de cette, l'accent qu'on va donner à cette différence physique mmh. ou même culturelle mmh. va déterminer notre intégration dans le groupe. C'est et ça. Va déterminer ce qu'on peut recevoir les uns des autres. Il ne faut c'est jamais ça. Oublier que le corps de Christ mmh. n'est pas lié à une race. Le mmh. corps de Christ est lié à l'identité spirituelle Amen. Que nous avons. Amen. Donc en fait, ça c'est très important et je pense que c'est pour ça que des fois, on va avoir des difficultés dans nos pensées mmh. parce qu'on arrive à un endroit, on se rend compte que tout est différent. Mmh. Alors que, en fait, lorsqu'Abraham arrive, il dit à l'autre, choisis. Mmh. Parce que Abraham oui, ne conditionnait pareil. Pas en fait sa vie mmh. au lieu où il était ou mmh. à ce qui pouvait être différent de Exactement, ce qu'il avait hein. vu. Mmh. La Bible va quand même dire qu'il quitte son pays et sa patrie. Il arrive mmh. dans un pays étranger, il dit mmh. quand même à l'autre, choisis. Mmh. Donc en fait, Abraham ne se disait pas, non, je suis étranger ici, donc je ne vais pas choisir, je vais plutôt me fier. Mmh. Et je pense que l'autre, là, je viens d'avoir cette idée, je pense que même l'autre fait son choix en fonction de l'intégration qu'il va avoir dans la nouvelle ville. Il se dit, peut-être que si je vais dans cette ville-là, il y a des gens qui connaissent déjà l'endroit et qui vont pouvoir m'aider à fructifier ce que j'ai déjà. Or, Abraham se dit, non, c'est moi qui conditionne. Donc, ça veut dire que la différence est même un plus pour l'environnement dans lequel on arrive. Et j'aime bien ce qu'il dit parce que ça me renvoie à ce qu'on a dit à l'émission précédente par rapport à l'image, ce qu'on a, l'image qu'on a de nous-mêmes. Et c'est vrai que pour s'intégrer dans un groupe, il faut vraiment avoir une autre pensée de soi, en fait. Mmh. C'est-à-dire avoir une autre image de nous-mêmes et des autres, en fait. Et je pense que c'est un travail, d'où le fait que le bonheur est un choix, la paix, la joie et le reste, c'est des choix. C'est parce des que, choix. Et on doit décider de dire, même si l'autre me regarde bizarrement, peut-être qu'il a mal dormi. C'est ça. Peut-être que, je sais non, pas, peut-être qu'il y a autre non, chose. Vrai, je ne suis pas forcément le problème, c'est en fait. Vrai. Mais c'est toi, ta façon de penser. Je me rappelle que quand je suis arrivé à l'église également, j'étais tout jeune et j'étais vraiment un gars, comment on dit, un gars de la street, quoi. T'étais assez wesh quand même, hein. Ouais. T'étais donc, assez wesh. Du coup, voilà. Je me rappelle très bien. Donc, j'étais là avec ma casquette, avec les baguilles, les choses et autres. Et quand tu as écouté la parole de Dieu, tu allais emprunter les costumes de ton regarde, père. Regarde, regarde. Je savais qu'il a... Il dit toujours que c'était même pas les costumes de mon père, juste parce que tu j'étais les maigre. Vraiment acheté. Non, je les avais déjà, mais c'est parce que j'étais maigre. D'accord. C'est le costume que je portais pour les mariages, des choses comme ça. T'as vraiment dû renouveler ta mentalité, hein, parce qu'entre ça... entre ça et ce qu'il portait avant... Mais la révélation non, mais, a grandi. Non, mais le choc était immense, parce que bon. voilà quelqu'un qui vient avec les baguilles, les machins, tout ça, et puis bonjour, comme ça. Tous les dimanches, maintenant, il vient en trois pièces. Il vient un pour on lui disait, tu allais emprunter les trois pièces de ton père. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais décidé de me dire, en fait, que je dois changer l'image que j'ai des gens et je ne dois pas me fier à ce que mes pensées me renvoient par rapport à ce qu'on dit de moi. Il y en a qui vont dire, bon, on ne comprend rien quand tu parles parce que tu parles trop, wesh. Il y en a qui vont me dire, bon, bah, ce que tu es en train de dire là, tu es trop zélé, machin. Mais je vais toujours me dire, bon, je prends ce qu'il y a de bon, en fait. Et je pense que c'est une mentalité. C'est un choix que de décider de donner le bénéfice du doute, de continuer à croire, en fait, à ce que les autres disent, mais prendre seulement ce qu'il y a de bon et rejeter ce qu'il y a de mauvais. Alors que beaucoup sont comme, en fait, inactifs. Ils sont là, ils reçoivent des informations, ils prennent tout. Alors qu'on doit être actif pour choisir ce qu'il y a de bon et rejeter ce qu'il y a de mauvais. Et je pense que c'est l'une des techniques, justement, pour être sûr d'avoir des bonnes pensées. Mais pasteur dans ce que tu as dit, j'aime trop ce que tu as dit au début, quand tu disais, en fait, il faut qu'on apprenne à connaître aussi les différences pour ne pas que ça puisse impacter notre système de pensée. Parce que je sais que moi, j'avais beaucoup ce problème-là au début. Le pasteur Darius va arriver, direct, il va charger. Je me dis, mais en fait, c'est quoi son problème?
matin, il ne peut pas dire bonjour comme tout le monde, aller prendre une tasse de thé et ensuite venir s'asseoir. Et au final, ce que tu disais est très pertinent, parce que même quand ta personne arrive la mine attachée, tu peux te dire que c'est lié à toi, alors que tu peux aussi décider de te dire non, ce n'est pas lié à moi. Voilà. Et du coup, toute ta journée même, ou les heures qui vont suivre, vont être différentes en fonction du positionnement que tu vas avoir. Si le pasteur Isaac arrive, il ne dit pas bonjour, moi je vais me dire, purée, mais il a un problème contre moi, ça va en fait impacter maintenant ma journée, parce que je vais me dire, non, mais comme il a un problème contre moi, moi aussi je vais me positionner comme ça. Et c'est ce qui crée même des discordes dans l'église. Alors qu'en réalité, si tu te détaches, tu vas te dire, bon, peut-être qu'il s'est mal réveillé, c'est mais ça, au final, c'est pas ça autre chose. Et on voit vraiment, encore une fois, on ne le dira jamais assez, que les pensées vont déterminer notre vision et le discernement. Et on parlait de Judas qui arrive dans un milieu et ainsi de suite, peut-être que à cause de ce qu'il avait, ça va déterminer comment il va voir les choses et ce qu'il va filtrer également. On voit qu'il ne va pas filtrer les suggestions du diable, non, ça ne vient pas de Dieu, c'est du diable, ainsi de suite, même si Pierre, à un moment aussi, il va le faire, quand Jésus va lui dire rien de moi, Satan, ainsi de suite. Donc on voit vraiment que les pensées déterminent la vision qu'on a, la vision qu'on peut avoir, la réussite. Et c'est pour ça d'ailleurs que Daniel et ses compagnons, quand ils arrivent à Babylone, on voit qu'ils vont vraiment beaucoup plus être ancrés dans la loi de leur Dieu, dans la parole de Dieu. Pour avoir une certaine vision de la réussite, ils ne vont pas se compromettre. Il y avait bien des opportunités, des occasions, mais ils vont continuer à regarder au succès par des voies divines, en fait. Et ça va vraiment leur permettre de transcender, vraiment de vivre particulièrement à Babylone. Et c'est là où vous devez comprendre la puissance de la parole de Dieu. On vous a démontré dans toutes ces émissions que les pensées sont des forteresses. C'est-à-dire quand ça s'assoit, parfois pour enlever ça, il faut passer par un processus. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace et puissante, en fait. Est-ce que vous comprenez? Plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de les moelles et des jointures, de l'esprit et de l'âme. Je paraphrase un tout petit peu, mais on comprend que la parole de Dieu va pénétrer dans les racines même de ces forteresses-là, les déraciner pour pouvoir faire un travail. Donc, si vous ne vous attachez pas à la parole de Dieu, vous n'aurez pas la force de lutter contre les mauvaises pensées, c'est sûr et certain. Amen. Oui, c'est vrai, apôtre, on a parlé dans l'autre émission même des expériences. C'est sûr que quand on parle des expériences, on ne parle pas seulement d'avoir des extases, d'avoir... C'est également cette expérience avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. On se met à côté, Dieu nous parle. Et c'est pour ça, encore une fois, Dieu parle de la méditation. Je prends le but de la méditation, de permettre vraiment cette parole qui est efficace et vivante. Et vivante. De vraiment pénétrer au plus profond de nous, d'aller s'attaquer, même dans le subconscient. C'est ça. Aller s'attaquer aux mauvaises pensées, aux mauvaises expériences qui se sont enfouies, qui causent certaines émotions, renverser ça et pour mettre les bonnes émotions. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette expérience avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, quand la Bible dit la parole de Dieu est vivante, il faut comprendre, faut comprendre en fait. Vivant, là, ça va impliquer quoi en fait? C'est-à-dire que, vous savez, la parole de Dieu a une propriété, c'est que quand vous l'ingérez en fait, elle met en vous... par exemple, la parole de prospérité va installer en vous le programme de la prospérité. Amen. Vous comprenez ça? C'est important que vous compreniez que si vous aviez l'habitude de vous sous-estimer et que votre système de pensée est plutôt vers ça, vous prenez des versets bibliques et des passages bibliques qui vous valorisent. En fait. Et ces passages bibliques vont s'attaquer à la source du problème, vont identifier la source du problème et vont aller déraciner. Mais pour ça, il faut que vous la preniez, que vous la méditiez et que vous la fassiez rentrer en fait dans votre tête. C'est vrai, apôtre, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté par rapport à l'identité. J'étais quelqu'un, je me méprisais énormément, je n'avais pas vraiment confiance en moi-même. Et la parole, par la parole de Dieu, j'ai vu que Dieu me demande même d'avoir confiance en moi parce que lui, il a nous confiance en moi. Il nous fait confiance. C'est ça. C'est incroyable. Et s'il a confiance en moi, au point de donner sa vie pour moi, c'est que je dois avoir de la valeur, en fait. C'est que je dois vraiment être quelqu'un. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai développé plus de confiance en moi-même en me disant, la parole de Dieu dit ceci à mon sujet. Et je le proclamais, et je le disais, et je le disais, et je le disais. Et je pense que nos pensées vont être affectées par...
plutôt les forteresses vont être affectées par les pensées de Dieu si on prend le temps. Je dis bien prendre le temps, pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps. Ils vont le dire une fois, deux fois, trois fois, ils vont s'arrêter. Or, on doit être dans une mentalité de jusqu'au boutiste, en fait. C'est-à-dire qu'on pratique la parole de Dieu, on le déclare, jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de la chose. Parce que ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu fonctionne toujours, en fait. Et c'est là où on doit développer cette confiance en Dieu, au point où on déclare la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on voit la chose se manifester. Il y a certaines forteresses où il ne suffit pas d'une méditation simple pour les arracher. Il y a des forteresses qu'il faut véritablement agresser. Moi, la façon dont j'ai agressé les forteresses des achats impulsifs, et pour agresser, en fait, ces forteresses-là, il faut pratiquer la loi de la saturation. Il faut se saturer. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que pour avoir la victoire dans leur pensée, dans certains domaines, il faut littéralement se saturer. Il y a des domaines où vous gagnez la victoire plus facilement que d'autres. C'est les vrai. Domaines où vous n'arrivez pas à avoir la victoire, il faut pratiquer le principe de la saturation. C'est-à-dire, quitte à dormir même avec des prédications qui prêchent ça tourne toute la nuit. Pratiquez le principe de la saturation. Et vous allez vous rendre compte, ça va marcher. Et l'apôtre, je pense que Dieu ne demande pas de faire moins. C'est vraiment comme tu viens de le dire, c'est la loi de la saturation. On voit comment il dit à Josué de méditer jour et nuit. Jour et nuit. On voit l'intensité. On voit l'intensité. Et Paul va insister là-dessus dans Colossiens 3:16. Il va dire que la parole de Dieu habite en nous richement. Richement. Et puis pour dire peut-être à ceux qui nous regardent, effectivement, notre valeur va être en fonction de la parole qui est au-dedans de nous. C'est ça. Pour ceux qui se sous-estiment, ainsi de suite. La solution est dans la parole. Amen. Et tu te sous-estimes, tu penses que tu n'as pas de valeur. Il y en a qui vont même déprimer avant d'être oppressés. La solution est simple. C'est simple. Montre ton objectif, tu reconnais ça, tu vois que non, tu prends la parole de Dieu. La parole devient toujours pour élever les gens. C'est si ça. Tu commences à la manger, la mettre dedans, mais tu vas te voir différemment parce que la parole de Dieu va nous donner certaines pensées et une vision de nous-mêmes. Amen. Et une vision de ce qui est autour de nous. La parole de Dieu va même nous permettre d'interpréter les choses de la vie d'une certaine façon. C'est vrai. C'est comme le patient gentil disait, quelqu'un se lève le matin, tu le vois, il a peut-être la mine attachée. L'interprétation de quelqu'un d'ordinaire, il a peut-être quelque chose contre moi. Non, mais quelqu'un qui est rempli, qui a un mindset positif, va peut-être transcender ça, va voir ça dans l'amour. C'est pour ça que Dieu parle l'amour qui ne soupçonne pas le mal. Il va peut-être voir interpréter la situation différemment. Déjà, ça protège. Ça protège la personne. Protège. Parce qu'on parle Pasteur Isaac, vous parlez de Paul. Et lorsqu'on regarde les écrits de Paul, on se rend compte que les écrits de Paul sont remplis de déclarations. Amen. Paul, esclave de Christ, Paul, ceci, Paul, cela. En fait, Paul déclarait constamment ce qu'il était. Et même dans ses écrits, ça se retranscrit. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on lit les écrits de Paul, moi, du moins, lorsque je les lis, ça me pousse constamment à confesser. Amen. Parce que lorsque je vois Paul, il dit « Soyez mes imitateurs ». Il est tout le temps en train de déclarer ce qu'il veut voir arriver dans sa vie. Et en parlant du principe de saturation, c'est ce qui se passe entre Jésus et Pierre. Jésus pose quand même la question à Pierre trois fois. Oui, parce que Pierre effectivement l'avait renié, il y a d'autres raisons, mais parce qu'il veut le saturer de la pensée du berger. Il dit « Pierre, même tu paies mes brebis, Pierre, même tu paies mes brebis, Pierre, même tu paies mes brebis. » Trois fois, il veut le saturer au point où cette pensée soit ancrée en lui et que Pierre ne puisse plus se détacher de cette pensée d'être un berger. Donc je pense que c'est très important effectivement de constamment le déclarer, constamment mettre cette image devant les yeux pour produire. D'où le principe de la répétition permanente. Parce que la répétition permanente, parce que dans ces histoires-là, il y a des gens qui pensent que, en fait, ça va se résoudre magiquement comme ça, en fait. Alors que parfois, il faut le dire plusieurs fois, il faut insister plusieurs fois, en fait. Le principe de la répétition. Et c'est pour ça que parfois, dans la parole de Dieu, il y a parfois même des versets bibliques qui se répètent. En plusieurs fait. Fois. Le juste vivra par la foi, ça se répète au moins 4 ou 5 fois, en fait. Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de tout ça. Voilà. La répétition. C'est vrai. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a des scientifiques qui disent que lorsqu'on répète une chose à plusieurs reprises, au bout de la 28e fois, ça devient une habitude, en fait. Et je pense que le Seigneur veut nous communiquer, en fait, des habitudes, mais des bonnes habitudes, en fait. De sorte que nous puissions fonctionner comme il veut, de façon naturelle. C'est souvent, on va dire, chasser le naturel, il revient au galop. Mais sauf que si le naturel est déjà une bonne chose, qu'il revienne. C'est ça. Donc, et je pense que c'est important que nous puissions comprendre ce que Dieu essaie de faire
en fait, dans nos mentalités. Il veut tellement nous saturer de sa bonté, de son amour, de sa joie et toutes ces choses, afin que nous puissions les pratiquer de façon naturelle, sans même y réfléchir. Le pasteur Gentil parlait dans l'émission précédente du fait que Salomon, à un moment donné, n'a pas fait un, d'une certaine façon, avec les paroles de son père. Il disait souvent mon père dit, mon père dit. Mais sauf que Dieu aimerait également que nous puissions devenir un avec sa parole. C'est ça. Et à partir du moment où nous sommes un avec sa parole, en fait, nous allons parler son langage. Et nous allons vivre cette vie en abondance qu'il nous promet. Or, sans ça, enfin, je dirais plutôt dans l'autre sens, c'est que le diable de l'autre côté se bat pour que nous puissions avoir sa pensée à lui. Sauf que, comme tu dis, apôtre, le chrétien pense que en ayant prié, jeûné, déclaré une fois ou deux, c'est bon, c'est réglé. Alors que souvent, ils ne se rendent pas compte le temps qu'ils ont mis à écouter des mauvaises choses. Donc, ça veut dire le degré des mauvaises choses qu'ils ont entendues par rapport au degré des bonnes choses qu'ils ont entendues, des fois, n'est pas équivalent, en fait. Il faut des fois renverser la balance. C'est en fait. Ça. Et en fait, pour rebondir sur le mot habitude, en fait, dans le milieu séculier, pour aller dans le même sens que ce que le pasteur Darius disait, on dit l'habitude est une seconde nature. Ça veut donc dire que si l'habitude est une seconde nature, il faut prendre maintenant l'habitude de planter de bonnes choses. C'est ça. Il faut prendre l'habitude de semer des choses qui vont devenir maintenant notre seconde nature, parce qu'on parle de second Adam. Donc la seconde nature ne vient que par des habitudes qu'on a établies, en fait. C'est pas pour rien que lorsqu'on voit Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, il allait au temple. Et lorsque Marc 1, 35 va nous dire Jésus est rempli, il va prier dans un lieu désert, il est rempli, il va dire je vais aller où ? Dans la synagogue. À l'endroit où il avait l'habitude d'aller. Si tu n'as pas l'habitude d'aller à l'église, ce n'est pas parce que en fait, tu te dis, bah, aujourd'hui j'ai envie d'aller à l'église, que ça deviendra une habitude. C'est à force de le faire. Tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu, c'est pas du jour au lendemain que tu vas le faire. Tu n'as pas l'habitude de prier, c'est pas du jour au lendemain. En fait, en installant ces habitudes, en allant à l'encontre de ce que la chair dit, parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que des fois tu vas te lever, tu vas dire j'ai envie de prier, mais ta chair te dit non, j'ai envie de dormir. Et l'habitude s'installe quand tu dis à ta chair tais-toi, je vais prier. En fait, l'habitude commence quand je fais taire ma chair pour faire parler mon esprit. C'est à ce moment-là que l'habitude commence, l'habitude de la parole de Dieu vient prendre place. Il faut qu'on ajoute quand même qu'en tant que chrétien, parfois, ce qui se passe quand les gens prient, on a l'impression que on est quand même des chrétiens, on a l'impression qu'il faut toujours aller chercher des choses à l'extérieur. Mais Dieu nous a quand même bien créés, nous sommes quand même des nouvelles créatures. Et pour dire à ceux qui nous écoutent, c'est sûr, on dit que l'habitude est une habitudes sont une seconde nature. Et il faut quand même que les chrétiens comprennent qu'en fait, nous avons la nature divine, en fait. Nous avons quand même ce caractère-là. Nous sommes quand même nés de nouveau. Dieu nous a un nouvel esprit. Je pense que pour les chrétiens, il faut qu'on regarde quand même la notion d'activation. Dieu dit quand même que nous avons la pensée de Christ. Je ne sais pas ce que ça fait pour ceux qui nous écoutent. Nous avons quand même la pensée de Christ. Ça montre que la pensée a une origine spirituelle. Ça a du potentiel. Nous avons la bonne pensée. C'est quand même ce que Dieu est en train de nous dire ici. Pour que les chrétiens comprennent, quand on dit de manger la parole de Dieu, c'est pas essayer d'aller créer une nature qui existe quelque part dans la lune, je sais quelque pas. Chose le s'agit chrétien, d'activer. Le quelque chrétien chose a la nature. Quand on lit les... Et c'est pour ça que la révélation de Paul est assez particulière. Paul ne montre pas le chrétien comme quelqu'un qui essaie de chercher, de créer des choses à l'extérieur. Il dit, il y a le nouvel homme qui est au-dedans de toi. Il dit que nous avons le caractère de Christ. Il dit, nous avons même la pensée de Christ. C'est ça. Mais en fait, quand on parle de la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, faire des confessions, ce n'est pas tant créer quelque chose, c'est s'y activer ce que Dieu nous a déjà donné. Parce que parfois, le diable peut nous dribbler pensant qu'il faut qu'on aille chercher quelque chose qu'on n'a pas. Le chrétien a la pensée de Christ. Il faut quand même ceux qui nous écoutent comprennent ça. Que quand on confesse la parole de Dieu, quand on prie ainsi de suite, c'est pour activer cette pensée-là qui est loin. Et puis, nous avons également la nature. Et prenons un peu l'exemple des humains. Mais on ne mange pas pour essayer d'être humain. Est-ce qu'on boit de l'eau? Est-ce qu'on mange, j'essaie d'être humain, pour essayer d'être un humain? Non! Nous sommes des humains. Pourquoi nous mangeons? C'est pour que cette nature humaine-là soit en forme pour pouvoir fonctionner dans cette dimension humaine. Je pense sur le plan spirituel, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent ça. C'est qu'on médite la parole de Dieu pour activer ce que nous sommes. Le chrétien a la pensée de Christ. Le chrétien a la nature de Christ. Quand on confère la parole de Dieu, cette nature s'active, cette pensée s'active. Et c'est ce qui nous rend conscients de notre divinité. Et c'est ce qui fait que, quelles que soient les mauvaises choses qui peuvent essayer de tourner autour de nous, en fait, on est aveuglé à ça. On regarde que
le décor de ce que nous avons confessé. C'est vrai. Donc, je vais lire un passage dans Philippiens chapitre 4, dès le verset 6, en fait. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frère, verset 8, un verset qui est vraiment capital pour les pensées et la gestion des pensées. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire qu'en fait, toute pensée qui est contraire à toutes ces caractéristiques-là ne doit pas être acceptée. Voilà, ça doit être l'objet de nos pensées. C'est important que vous compreniez que vous ne devez pas développer des pensées contraires à ce qu'on a dit là. Et vous ne devez pas accepter les pensées contraires à ce qu'on a dit. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont se culpabiliser parce que certaines pensées vont traverser leur tête. C'est important que vous compreniez que en fait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de pouvoir voler sur votre tête, mais vous pouvez les empêcher de se déposer sur vous et de déféquer sur vous. Vous pouvez empêcher. C'est la même chose avec aussi les pensées. Aussi, les fèques, on a la capacité d'enlever ces D'enlever ça, voilà, d'enlever ça. Donc, le truc, c'est que quand les pensées traversent votre tête, on a dit qu'il y a des pensées qui vont être générées par votre système de pensée. Si vous avez un bon système de pensée, vous aurez des bonnes pensées. Si vous avez un mauvais système de pensée, vous aurez des mauvaises pensées et des conséquences qui vont avec. Et on a vu aussi que Dieu a des pensées par le Saint-Esprit et le diable aussi a des pensées qu'il va nous mettre en fait en tête. Et certains chrétiens vont dire par exemple, non, nous péchons tous, on pêche tout le temps, même en pensée, avec les pensées qui nous traversent la tête, nous péchons. Le problème, c'est que moi, je pense qu'on pêche dès l'instant où on accepte la pensée. C'est pas quand la pensée nous traverse la tête, parce que le diable, il vient nous tenter comment? Il vient nous tenter par des pensées, en fait. Et comment est-ce qu'on refuse de tomber dans la tentation, c'est en refusant, en rejetant ses pensées. Et le verset biblique que nous avons lu va vous aider à pouvoir correctement gérer vos pensées. Et c'est pour cela, par rapport à ce que l'apôtre vient de dire, c'est pour ça que Dieu nous dit vraiment de marcher par la foi. Et on l'a dit un peu plus tôt que la foi va amener un type de pensée. Ou en d'autres termes, la foi va venir activer Christ en nous. Et Christ a une façon de penser. Donc ce que Dieu demande, c'est seulement marcher par la foi. Et quand on marche par la foi, on active notre foi, on édifie notre foi. Mais on va marcher naturellement dans la pensée de Christ parce qu'elle a activé. Et ça fait que le diable, quel que soit ce qui viendra nous proposer, le bouclier de la foi avec ses pensées de Christ va éteindre ses pensées. Voilà. Pasteur Gentil. En fait, pour... il s'arrache tellement la parole que je me suis dit, il va parler juste après. Mais en fait, pour rebondir sur ce passage-là, Paul dit aussi quelque chose de très, très pertinent. Il va dire... ne vous lassez pas de faire du bien. En fait, s'il dit ne vous lassez pas, ça veut dire qu'il y a un effort derrière que nécessite le fait de faire du bien. Ça veut donc dire que le fait de penser aussi bien des gens nécessite un certain effort. Peut-être que lorsqu'on va faire du bien à une personne qui nous fait du mal, on se sentira peut-être épuisé. Certains jours, on va se dire, mais purée, je me sens fatigué en fait. Tout le temps, il me dit des mauvaises paroles et moi, je dois faire le contraire. Mais à partir du moment où on le fait, ça deviendra une habitude et ça ne sera plus un effort. Donc, il y a la première étape où c'est un effort, mais il y a la deuxième étape où ça devient naturel. Mais il n'y a pas de naturel sans effort. Même Christ, en fait, pour qu'aujourd'hui, on soit comme lui, pour qu'on se soit naturel, il a dû fournir un effort. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort que va nous nécessiter le fait de faire du bien ou de bien parler ou d'avoir des bonnes pensées, mais ensuite ça va devenir dans notre nature parce qu'il dit quand même que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Mais en fait, pour que ce soit vrai, pour que la parole de Dieu soit l'objet de mes pensées, il faut déjà que j'ai pris l'habitude de m'aligner à la parole de Dieu. Il faut que j'ai pris l'habitude de rejeter les mensonges du diable. Lorsqu'on va me dire, mais pourquoi l'apôtre t'a regardé comme ça? Non, la parole de Dieu me dit, ne soupçonne pas le mal. En fait, je marche dans la vérité. Il va dire que tout ce qui est honorable, il faut que j'ai l'habitude déjà de m'honorer moi-même et d'honorer les autres pour que ça devienne un système de pensée. Donc, c'est un effort qu'il faut fournir pour que ça devienne naturel. La prochaine, je voulais ajouter il fait très long discours. Après, je laisse juste pour rebondir sur ce que tu dis. Tu fais souvent des longs discours. je te taquine. Oui, non, par rapport à ce que le pasteur Gentil et le pasteur Bébé que l'apôtre a lu, on voit vraiment l'important de la parole. Donc, on voit finalement que la parole va valider
la pensée que nous avons. C'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, le diable peut nous donner une mauvaise pensée. Mmh. C'est quand on la véhicule qu'on la valide au-dedans de nous. Comme il vient de le dire, le fait de faire le bien, ça doit vraiment être... On doit le voir comme un principe. C'est un principe qui nous garde nous-mêmes. Ça nous permet toujours d'être dans des dispositions à faire le bien, à rester dans l'amour. Ouais. Parce que la Bible est fondée, enracinée dans l'amour. Donc, on doit voir le fait de faire le bien comme un principe qui nous permet toujours de garder des bonnes pensées. Mais on le voit quand on fait du bien. On a toujours comme une joie, un bonheur au-dedans de nous. Ça montre qu'on a validé des bonnes pensées, on les a gardées dans de nous. Ça fait que, bon, si on peut, on peut recevoir ces passages-là, bon, que tout ce qui est juste ainsi de suite, on l'a au-dedans de nous, tant qu'on ne le pratique pas. Par exemple, l'amour, on va parler dans l'amour, on va agir selon l'amour, tant qu'on ne le fait pas. On voit que ces pensées-là, on a l'impression, ne restent pas, ne se développent pas. C'est pour ça que la parole est vraiment importante par rapport à ce passage biblique. C'est ça. Pasteur Darius, nous sommes tout oui. Allez, on t'écoute. La révélation mijote. Voilà, on t'écoute. En fait, le passage que tu as lu est très intéressant parce que lorsque la Bible va commencer quand même en disant « Ne vous inquiétez de rien ». Ensuite, on va expliquer ce qu'il faut faire lorsque, pour ne pas justement rester dans l'inquiétude. Et la Bible va dire « C'est ainsi que la paix de Dieu » qui surpasse toute intelligence, gardera. C'est-à-dire que tu es inquiet, mais il te donne la solution pour que la paix garde. C'est ça. Tu nous avais enseigné là-dessus sur le mot « garder ». C'est garder comme pour protéger, comme une forteresse. Il dit « gardera vos cœurs et vos pensées ». Autrement dit, l'endroit où les pensées résident, mais protégera aussi les pensées. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où nous pouvons changer les pensées qui viennent du diable, le diable peut également affecter les pensées qui viennent de Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire que si on ne garde pas nos pensées, ils peuvent être attaqués. Si on ne garde pas notre cœur, on peut attaquer la source de nos pensées, là où se trouvent nos pensées, en fait. Et juste après, il va dire au reste que tout ce qui est honorable, etc. Donc là, il va dire maintenant c'est les choses qui doivent être gardées dans le cœur, en fait, ce qu'on doit protéger. Et je pense que il serait quand même important que nous puissions jeter un coup d'œil dessus et parler de toutes ces choses, parce que des fois, on le lit assez rapidement. Ça, on peut s'arrêter. Et il va dire tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Et je m'arrêterai sur le mot juste, en fait. Beaucoup de personnes, en fait, ignorent, comment je pourrais dire ça, ont tendance à biaiser la vérité en se disant que c'est légitime ou bien en se disant que, bon, c'est pas grave. Alors que le Seigneur nous dit que ça fait partie des choses qui ouvrent des portes aux mauvaises pensées. Parce que souvent, on pense que ça va peut-être venir en gros, c'est-à-dire qu'on aura une mauvaise pensée, « Ah, je l'aime pas, il m'énerve. » Des fois, ça peut être des petites semences qui, avec le temps, vont prendre une grosse ampleur, en fait. Et ça va commencer par le fait de marcher dans la vérité, d'être vrai, dire les choses, dire la vérité, ne pas se conformer au mensonge, ne pas chercher forcément à exagérer, vraiment essayer de marcher le plus près possible de la vérité. Ça fait partie des choses que les chrétiens doivent développer s'ils veulent avoir, en fait, des pensées gardées en Jésus-Christ. Mais en fait, il dit dans... Il dit juste souvent. Avant, en fait, c'est quand tu l'as lu que je m'en suis rendu compte, la paix de Dieu gardera vos cœurs, au reste, frère. Ça veut dire que la paix est liée, du coup, avec à la première chose qu'on a faite là, en à fait. À la première chose qu'on a faite, mais aussi à la suite, parce qu'il va dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est... Ça veut dire que tant que je ne reste pas dans la vérité, tant que je ne reste pas dans la justice, la paix ne peut pas rester. Non, mais c'est clair. Parce que c'est lié. Mais c'est clair, parce que déjà, les émotions toxiques sont dues à une fausse croyance. C'est ça. Toute émotion toxique est causée par une fausse croyance. Donc, tu ne peux pas être heureux si tu ne gardes pas tes pensées dans ce qui est vrai, en fait. Dans ce qui est vrai et dans l'amour. Et la Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal, en fait. Les émotions toxiques qui rendent les gens malheureux. Parce que c'est ça qui rend les gens malheureux. Ce sont les émotions toxiques. Sans émotions toxiques, les gens seront heureux. Le bonheur sera là. Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, ça veut dire quand on a prié, la paix reste là. C'est ça. Donc, en fait, ce que Paul est en train de dire, pour garder cette paix-là, il faut continuer à avoir une certaine marcher dans l'amour. Donc, on voit finalement qu'il y a deux voies pour garder son cœur et dans la paix. Il y a la voie, quand même, la prière, il y a quand même l'action de grâce. Donc, parfois, face à une situation qui nous défie, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Soit rendre grâce à Dieu. En fait, c'est faire le bien en général. C'est ça. Donc, parfois, je pense que Dieu nous montre vraiment comment il faut garder son cœur. Marcher à contre-courant, parfois, des
des événements, des situations. Yes. Mmh. Et c'est même ça l'amour. Hein. Mmh. L'amour, c'est pour ça que le monde ne peut pas comprendre l'amour agapé. Mmh. C'est vraiment tout le temps comme marcher à contre-courant. Mmh. On fait le bien quand peut-être on nous fait du mal. Mais on sait ce qu'on fait, on veut se garder. Ce passage de Philippiens veut surtout nous faire comprendre que, en fait, nous avons le contrôle. Amen. Nous avons le contrôle total, en fait. Yes. Parce que quand il dit « ne vous inquiétez de rien », on rencontre des personnes qui nous disent « mais je ne peux pas ne pas m'inquiéter, je n'arrive pas à ne pas m'inquiéter, la situation fait que je ne peux que m'inquiéter ». Et on a l'impression que nous n'avons plus le contrôle sur nos pensées. Mais en réalité, on a le contrôle sur nos pensées. Parce que comment avoir le contrôle sur les mauvaises pensées si vous n'avez pas contrôler vos émotions. Yes. C'est important de contrôler vos émotions et de contrôler vos pensées. Vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est faisable. Le Seigneur ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui n'est pas faisable. Qui n'est pas faisable, en fait. Faisable, ouais. C'est ça que ce verset biblique là veut dire. au moment où tout le monde est en train de s'affoler, par exemple, hein, on est dans la période Corona, et on a l'impression qu'on ne peut pas ne pas s'inquiéter et paniquer. Je suis désolé. dans cette période de Corona, c'est vraiment un choix. Nous, on a choisi de ne pas nous inquiéter. On a, depuis que cette histoire a commencé, on a choisi de ne pas nous inquiéter. Et on a même... En fait, on a même décidé de comment ça va se passer. C'est ça, en fait. Et c'est ça que j'aime. Parce que, moi, personnellement, hier, j'analysais l'année 2020. Pendant qu'ils sont en train de dire comment ça va se passer, nous, on a décidé de comment ça va se passer. Hier, j'étais en train d'analyser l'année 2020. Je me rends compte que c'est parmi les meilleures années de ma vie. Je me rends compte que non seulement l'Église a grandi, non seulement moi, j'ai grandi spirituellement, non seulement il y a tellement de situations qui ont changé dans ma vie. Je me dis, mais purée, mais en fait, c'est vraiment une décision. Surtout que j'ai un salaire maintenant aussi. C'est en 2020. Tu as aussi un bureau. Tu m'étonnes, ce sont les belles années. Franchement, c'est en train de déclencher des choses incroyables. Amen. Et c'est là où je me dis, en fait, notre église n'a jamais autant grandi, pris un bond comme ça, notre ministère. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là où les gens en quelques mois. Là où tout le monde, les choses sont en train de. Enfin, où les églises, peut-être certaines églises se vident, ou bien certaines personnes échouent, nous, on voit la croissance, en fait. Et je pense, comme tu dis, apôtre, c'est un choix. Je me rappelle le début de cette période, de cette crise. On déclarait déjà comment ça allait se passer. On déclarait. Et je me rappellerai toujours, tu as dit, on va grandir. Tu avais dit, on va grandir et on va connaître une croissance incroyable. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense vraiment qu'on doit comprendre que ce n'est pas l'extérieur qui détermine ce qu'on vit, en fait. Ce n'est pas l'extérieur. C'est notre langue, c'est notre déclaration. Il suffit juste qu'on ait la pensée de Dieu. On va forcément déclarer sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Dans le ministère à Sœur, nous avons la pensée de Dieu. Amen. Tu peux dire aujourd'hui, oui, mais bon, moi je suis malheureux, j'ai épousé un monsieur ou une femme qui me rend malheureux tout le temps, mes enfants me rendent malheureux. Je t'assure que la décision, c'est toi. C'est toi, en fait. Je te dis, tu peux décider de ne pas être malheureuse à cause des attitudes de ton mari. Tu peux décider de ne pas être malheureuse à cause des attitudes de tes enfants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, si intérieurement il y a le calme, tu verras extérieurement le calme s'imposer, en fait. C'est important. L'apôtre, on parle de ça, je ne sais pas à quelle émission, où on parle de la force intérieure aussi sur les épreuves. On disait que de nos jours, c'est un phénomène qui veut même arriver à l'Église. On disait que les hommes, parfois, certains hommes, bien sûr, choisissent cette voie de la facilité, parce que peut-être ils rencontrent des difficultés, ça peut être... Même les femmes, la dame et ceci, ou le monsieur et ceux, même les enfants. Et puis, ils choisissent la voie facile de peut-être la séparation, ainsi de suite. Je pense que, comme tu le dis, on a le choix. La part de Dieu était... La Bible est un livre pratique. Nous montre comment... qui nous sommes, ce que nous avons au-dedans de nous, comment l'activer. Je pense que nous avons une puissance inhérente à notre personne. La dynamisme, il y a celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons demain. Par la puissance qui agit en nous, nous avons cette puissance. Amen. Nous pouvons l'activer et transcender. Paul dit, je puis tout. Je puis tout. Il n'a pas dit, je puis tout. Il dit, je puis tout. Et Dieu ne nous demande pas de ressentir ça avant de le dire. C'est parce qu'il y a un potentiel. Amen. Donc, douce. Comme le pasteur David vient de dire, on a des résultats, effectivement, financièrement, on a des opportunités. C'est ce qui se passe pour nous, les pasteurs, même d'autres brebis. C'est parce que je pense qu'on s'est mis à confesser la parole de Dieu de manière particulière. On continue à confesser. On s'étonne même parfois quand tu es là, mais les opportunités qui arrivent, c'est parce que tu as semé bien avant. C'est ça, comme tu nous as dit. Je pense que la parole de Dieu est
une bonne parole nous montre comment créer notre bonheur. Le bonheur au-dedans de nous. Le succès dans la vie est une décision. Le succès dans la vie est une décision. Si tu as décidé d'échouer, tu vas échouer. Si tu as décidé de réussir, tu vas réussir. Si tu es dans l'échec, décide juste de réussir. Amen. C'est un choix. Et là, c'est un choix, c'est tout. Et certaines personnes vont dire, oui, mais parfois, il y a des paramètres qui ne dépendent pas de moi. Écoute-moi, je vais te dire, tant que tu ne contrôles plus ta vie, ça devient compliqué en fait. L'une des choses que le Seigneur nous a donné à la croix de Golgotha, c'est le droit de choisir et le droit de contrôler notre vie par la parole, par la déclaration de la parole. Le succès, c'est ça. Mais comment déclarer quelque chose que tu n'as pas ingurgité? Comment le faire? Mais en fait, tu ne peux pas déclarer le contraire de tes pensées, en fait, c'est important. Tu es obligé de prendre la pensée de Dieu et de la déclarer. Pour ça, ça doit passer par tes pensées. Tes pensées d'abord. Et c'est vrai ce que tu dis, apôtre, parce que la Bible va dire que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Et en fait, à partir du moment où tu le dis comme bon, bah, de toute façon, je n'y crois pas, tu mens. Mais à partir du moment où tu y crois, ça devient la vérité, en fait. Tu n'es plus en train de mentir. Et parce que tu déclares la vérité se manifestera. C'est ça. Et je pense qu'on doit comprendre que. Mais tu avais aussi enseigné que lorsque, pour équilibrer un petit peu, lorsque la chose n'est pas vraie, on déclare pour qu'elle devienne d'abord vraie au dedans de nous. Et à partir de là, maintenant, on libère la foi. C'est ça. C'est comme ça que tu l'avais enseigné. Et je pense que c'est important que nous puissions comprendre que c'est aussi simple que ça. C'est notre déclaration. Mais je pense que beaucoup de personnes sont très pressées, en fait. Ils sont tellement pressés qu'ils se disent que, avec tout ce que j'ai vécu, toutes les douleurs que j'ai vécues, tout le mal qu'on m'a fait, alors que moi, je fais du bien aux gens, j'ai entendu des gens me dire ça, ils se disent, c'est pas possible, j'en ai marre de la vie. Je lui dis, mais commence à changer de langage. Déclare autre chose. S'il faut, fais ça comme des devoirs, en fait. C'est-à-dire, tu te dis, tous les matins, de telle heure à telle heure, je ne fais que déclarer. Tu écris ce que tu vas déclarer. Au bout de 6 mois, tu verras que ta vie aura changé. Même 6 mois, c'est beaucoup. Sauf que les gens, ils vont commencer, la plupart commencent, ils vont s'arrêter au milieu, ils vont dire, ouais, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que. Mais tu sais, pasteur, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement vécu dans le malheur, qui ont tellement vécu dans la souffrance, qu'elles ont du mal à se voir vivre dans le bonheur. C'est vrai. Et lorsqu'elles expérimentent un tout petit peu le bonheur, ces personnes se culpabilisent même. Je vous assure, c'est vraiment incroyable ce truc-là. Tu l'avais vécu, toi aussi, c'était comme ça. Moi, mon père, bon, après, c'était quand j'étais païen, mais le principe est le même. C'est-à-dire que mon père pouvait m'acheter des chaussures, des choses et autres, mais comme j'avais des amis qui, eux, n'avaient pas, je me disais, j'ai pas le droit. Je me disais, je peux pas. Non. Et du coup, je galérais comme eux parce que je me suis dit, bon, bah, sinon, ça se fait pas. Parce que je n'arrivais pas à accepter le bonheur alors que les autres sont dans la galère. Je me disais, non, moi aussi, je dois souffrir. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je refusais d'être dans le bonheur. Je refusais d'être à l'aise, en fait. Mais tu sais que ça, c'est un système, c'est un programme. Hein, c'est vrai. C'est un programme dans la tête, en fait. C'est un programme. Tu t'es programmé de telle sorte qu'en vérité, tu crois plus au bonheur, et quand tu devrais y croire, tu crois que tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. Si tu crois au bonheur, tu crois que d'autres personnes méritent le bonheur, mais toi, que tu ne le mérites pas, en fait. Et ça, ça doit changer parce que Dieu veut que vous soyez heureux. Les hommes doivent comprendre que quand ils sont malheureux, ça fait de la peine à Dieu. C'est vrai. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse vivre malheureux, en fait. Dieu sait que le bonheur est une bonne chose. Amen. Dieu sait que la paix est une bonne chose. Amen. Et il aimerait qu'on puisse expérimenter la paix et le bonheur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, yes, en fait. Yes. Et pour ça, ça passe par notre reprogrammation. Amen. Effectivement, on voit que les pensées vont nous donner un type d'habitude et un feeling. Si on est habitué à souffrir, ça va être comme finalement une nature. On va être dans ce monde-là et quand on commence à réussir, mais les premières fois, on n'est pas à l'aise. Mais il faut qu'on persiste pour que ça devienne notre vie, notre monde, et ainsi de suite. Je pense que c'est à cause de ça, quoi. Très bien, on va prier pour les internautes, actuellement les téléspectateurs. Yes. Il y en a qui vivent des oppressions démoniaques au niveau de leur pensée. On va demander vraiment que ces oppressions puissent lâcher prise. Et on va prier pour que cette parole qu'on a déclarée puisse pénétrer leur esprit et amener la transformation. Prions maintenant pour tous les téléspectateurs. Seigneur, je te remercie. Ta parole est vivante, ta parole est véritable. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme maintenant. Je prie au nom de Jésus que ta parole pénètre leur cœur, ô Dieu, et amène le changement et la transformation.
je viens prendre autorité maintenant sur toute oppression satanique et démoniaque qui se manifeste par des pensées oppressantes dans les pensées, la tête des téléspectateurs. Je prends autorité maintenant et je fais taire toutes ces pensées. Je chasse toutes ces pensées au nom de Jésus. Et je déclare que la pensée de Christ se manifeste dans leur cœur par la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu amènes la transformation de leur vie, la transformation de leur paradigme, la transformation de leur système de pensée. Seigneur, de l'échec, Seigneur, il passe à la victoire au nom de Jésus. Seigneur, du malheur, il passe au bonheur, ô Dieu. Éternel, je prie que tu les combles maintenant de ta paix, que tu les combles maintenant de ta joie, que tu les combles maintenant de ton bonheur, ô Dieu. Seigneur, qu'une vague de bonheur, qu'une vague de joie, qu'une vague de paix puisse les atteindre maintenant là où ils sont, ô Dieu. Que par le Saint-Esprit, ils soient remplis de joie maintenant, qu'ils se réjouissent et qu'ils prient victoire en face des situations, Seigneur, dont ils font face, ô Dieu. Je proclame et je prophétise la victoire au nom de Jésus sur leur vie. Je prophétise la victoire au nom de Jésus dans chacune de leurs situations. Et je déclare au nom puissant de Jésus qu'ils vivent dans la joie, qu'ils vivent dans la paix, qu'ils vivent dans le bonheur. Je déclare au nom de Jésus la force de Dieu pour contrôler, maîtriser les émotions toxiques, pour contrôler, maîtriser les pensées. Je déclare au nom de Jésus qu'ils ont la force, la volonté de repousser les pensées qui ne sont pas en accord avec ta parole, ô Dieu. Père, que pendant ces moments, une vague, Seigneur, qui descend sur eux et les équiper, qui ressortent de la fructifiée, qui ressortent de la remplie, qui ressortent de la équipée, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ta vie se manifeste pleinement en eux, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je crois que vous avez aimé cette émission et je crois qu'elle vous a béni. Je crois que vous avez aussi aimé cette série. Si vous la prenez en cours, je vous invite à regarder les émissions précédentes en replay sur le YouTube de notre chaîne, la chaîne YouTube d'Évangile TV. Sur la chaîne YouTube, oui, d'Évangile TV. Oui, et en cliquant s'abonner, en cliquant aussi sur la cloche. Qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Non, je voulais regardez simplement... le temps. Non, je voulais simplement, désolé. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Seulement redire à ceux qui nous regardent, on vient de prier pour eux, leur dire qu'il n'y a pas d'oppression sans dépression. Je pense qu'il faut vraiment prendre la parole de Dieu au sérieux, vraiment se remplir. Il y a même des oppressions qui vont disparaître simplement parce que vous mettez la parole de Dieu au-dedans de vous. Il y en a qui se dévalorisent parce que la parole n'est pas de manière conséquente au-dedans d'eux. C'est simplement ce que je voulais ajouter. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, vous pouvez soutenir cette émission en soutenant la chaîne Évangile TV, en allant sur notre site www.evangile.tv et en faisant un don. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez surtout pas de le faire. L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je suis l'apôtre Alain Patrick et j'étais accompagné du pasteur Isaac, du pasteur Gentil et du pasteur Darius. Je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.